Rodrigue, Céline et Claude ont deux points communs. Ils ont dû faire face à un litige juridique. Ils ont choisi Judexis, cabinet d'avocats de référence en Guadeloupe. Composé de femmes et d'hommes hautement qualifiés, Judexis Avocat a fait preuve de réactivité, de disponibilité et d'efficacité lors du divorce de Céline et de l'indemnisation de Rodrigue après son accident de voiture. C'est grâce à Judexis Avocat que Claude a pu créer sa société et racheter le magasin de son oncle. Judexis, une détermination sans faille pour veiller à vos intérêts. Judexis, Jarry, Abîme et Sainte-Rose. 0590. C'est ballon. Attention à ce coup de tête. Steven Davidas qui fait la différence avec sa rapidité et la mobilité. Davidas est parti. Steven Davidas encore, il est parti en solo. Bonsoir à tous, ici Joli Jérôme. Retrouvez-moi tous les vendredis de 16h à 17h sur Total Sport Caraïbes, ici au studio des BD Productions à Pointe-à-Pitre pour l'émission Total Régal avec mes invités. Ensemble, on va se régaler, on va faire tout simplement du Total Régal. À très vite sur Total Sport Caraïbes. Avec Total Régal, il n'y a pas d'égal, nous sommes tout simplement les meilleurs. Ces ballons. Attention à ce coup de tête. Steven Davidas qui fait la différence avec sa rapidité et la mobilité. Davidas est parti. Steven Davidas encore, il est parti en solo. Retrouvez le meilleur de l'information locale sur le Pige TV. Le Pige TV est le premier de l'information sur les réseaux sociaux qui diffuse des sujets d'actualité en instantané sur votre téléphone. Si vous ne voulez plus rater aucune info, rejoignez sans plus tarder notre communauté qui compte déjà plus de 10 000 membres sur WhatsApp. Pour la médiatisation info de vos événements, contactez Dan Martias, fondateur et journaliste du Pige TV au 0690 62 24 62. Professionnel, vous êtes confronté à un litige d'ordre juridique, Judexis, cabinet d'avocats de référence en Guadeloupe, vous accompagne en conseil et en contentieux. Judexis, c'est une équipe de femmes et d'hommes hautement qualifiés, disposant d'expertise complémentaire à votre service. Excellence, proximité, disponibilité et engagement sont les valeurs essentielles de Judexis. Une détermination sans faille pour veiller à vos intérêts. Judexis, Abîme, Jarry et Sainte-Rose. Besoin de justice, Judexis, www.judexis.com.
Bonsoir à tous, bienvenue ici au stade Fiesque Duchesne à Bémaro pour cette rencontre de la 23e journée de la régionale 1 Vito. L'USBM est donc à domicile pour croiser les fers. Cette équipe du Sirocco des Abîmes, les deux équipes n'ont pas droit à l'erreur, surtout pour cette équipe de l'USBM. Désolé, il fallait. Voilà, je devais couper ça. Donc, vraiment merci d'être avec nous. Ensemble, on va passer un très, très, très bon moment. En tout cas, j'espère, mesdames et messieurs, donc vraiment merci d'être avec nous. Merci de partager. Merci de vous abonner avec nous pour ne rien manquer de cette rencontre. Voilà, Don Dave vous apporte les images et puis votre ami Jolie Jérôme aux commentaires. Très rapidement, la composition des deux équipes dans quelques minutes. Donc cette équipe de l'USBM qui va essayer de gagner ce soir parce que je dois vous rappeler, l'USBM totalise exactement 43 points pour 21 matchs au classement. Pour le moment, ils sont 13e au classement, alors que le Sirocco des Abîmes totalise 68 points pour 23 matchs. Donc, en cas de victoire pour le Sirocco des Abîmes, ils vont prendre la première place en attendant la prochaine journée. Donc vraiment merci d'être avec nous, le décor est bien planté et on va passer un bon moment, vraiment un bon moment. Mesdames et messieurs, donc les arbitres de ce match sont... les arbitres sont Yanel Zadig, l'arbitre central de ce match. Il sera assisté de Luigi Manubin et Ruben et Eugène comme le deuxième assistant. Et puis voilà, je vais vous communiquer la composition des deux équipes. Pour l'USBM, Saint-Denis France dans le but. Et puis sur le côté droit, Daniel Gaboton. À gauche, Baptiste Waldren. Dans l'axe de la défense, Johan Amboisine et Samé Nicolas. Laurie Demeya, joueur au Théophile Bolivar au milieu de terrain. En attaque, Lucas Toufet en numéro 11, O'Neill Delos numéro 9, Rudy Vouto numéro 10. Pour cette équipe du Sirocco des Abîmes, c'est Philemon Mathieu dans le but. Bourguignon Henrique sur le côté gauche. Sizik Mehdi et Terry Schellingford dans l'axe de la défense. Mathurin Manora en numéro 12, en latéral droit au milieu de terrain. Remski, Gerbier, Mehdi, Pédurin, demi-gauche, Cancel, Jessy, demi-droit, Laurent Jonathan, hommage à Kevin et Mivis Rulfred. Donc voilà pour les 11 ans de cette équipe du Sirocco des Abîmes entraîné par Bruno Lourac. Et pour l'USBM, c'est Thierry Antonin. L'USBM va jouer tout est bleu. Mesdames et messieurs, avec les images de Don Dave Désiré, on va passer un très 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 bon moment, j'espère. Donc voilà, le coup d'envoi de ce match va donner par un ancien joueur de l'USBM. Il s'agit tout simplement de Sergo Lokel, donc qui est un ancien joueur de l'USBM. Et puis ce soir, il n'y aura pas de ramasseur de balles parce que tout simplement on est mercredi. Donc demain, il y a école. Forcément, c'est compliqué pour les jeunes. Ils ne peuvent pas être là ce soir. Donc ça se comprend. L'USBM qui habituellement met toujours des ramasseurs de balles. Mais ce soir, avec demain, il y a école, donc il n'y a pas de ramasseur de balles là, ce soir. Merci à vous qui êtes déjà sur Facebook et vous qui êtes également avec nous sur YouTube. Vraiment, merci d'être avec nous.
Il faut dire, au moment où nous parlons, le phare de Petit Canal est en train de malmener l'UNA en coupe sempatrimoniale région Guadeloupe. 3-0 pour le phare de Petit Canal. Donc voilà, ce match qui va commencer dans quelques secondes avec Lokel, Sergo Lokel, ancien joueur de l'USVM, qui va donner le coup d'envoi effectif de ce match. Le Real de Madrid est qualifié cet après-midi. Marc Melga, qui avait prédit une élimination du Real de Madrid, ben le Real est là. Non, cette équipe est immortelle. C'est tout simplement le football, c'est ça. Il faut savoir jouer avec votre point fort. Donc voilà, Sergo Lokel, l'ancien joueur de l'USBM, qui vient de donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre de la 23e journée de la régionale 1. Ouais, le décor est bien planté pour un match tant attendu, un match important pour l'USBM avant de se déplacer sur les terrains de l'Amical Club des Marie-Galantes ce week-end. Les Bémaroussiens doivent faire un bon résultat contre les Sirocco des Abîmes qui restent en son deux matchs nuls. C'est parti ici à Bémaro pour cette rencontre de la 23e journée. Alors, ok, pourquoi ça ne s'affiche pas? Bon, c'est pas grave, je vais refaire. c'est pas grave. Alors, est-ce que ça passe là normalement? Oui. Voilà, c'est bon. Ok, ben. Non. Ça fait son show. Voilà. Voilà, tout est bon. Le ballon qui est sorti en touche pour l'USBM avec Waldren Baptiste en sort, le côté gauche, Waldren qui va jouer ce ballon sur Jean Théophile, ballon perdu, récupéré par Kevin Romage, l'ancien joueur de l'ISBM, qui trouve Rimsky Gerbier au milieu de terrain avec une passe qui est allée directement sur le défenseur de l'ISBM, Rudy Vuto. La touche pour les Bémaroussiens, les fans de l'USBM qui s'apprêtent à créer l'ambiance ici dans les tribunes du stade Fiasco Duchesne. Voilà, on va dire pour le moment c'est deux premières minutes assez tranquilles. La touche avec Daniel Gaboton, Rimsky Gerbier qui se bat pour ce ballon. Il bénéficie d'un coup franc suite à cette faute commise par Dimitri Bolivar sur les yeux de Yanel Zadig, le jeune arbitre central de ce match. Je profite pour saluer quelques amis comme Raymond Germain, inconditionnel. Attention à ce premier ballon et cette frappe qui est passée au-dessus des buts gardés par alors Saint-Iné France. Ah, le ballon qui était passé très loin. Début gardé par Saint-Iné France. Cette première frappe porte la signature de
Mehdi Pédurin, le milieu de terrain de cette équipe du Sirocco des Abîmes. Donc il faut dire que le Sirocco qui joue avec un milieu de terrain assez travailleur. Donc voilà, si on prend Jesse Cancel, c'est plus une sentinelle. Après, voilà, Pédurin, c'est un organisateur de jeu. Laurent Jonathan qui est capable de jouer comme milieu de terrain défensif également. Donc c'est un milieu de terrain assez défensif du côté du Sirocco des Abîmes. Voilà. Il y a la Dame Puy qui a fait son apparition ici à Bémaro dans ce début de match en retard, 23e journée. On n'est pas loin de la fin de ce championnat. On n'est qu'à 5 journées de la fin de ce championnat. Notons ce week-end. Le déplacement du Sporting sur les terrains de l'US Cambrefort. Le Sirocco des Abîmes joue dimanche contre Jeunesse Évolution dans un derby. À l'aller, le Sirocco avait survolé ce derby face à la Jeunesse Évolution. 3-0 avec un magnifique but de Wilfred Mévis. Ce ballon dégagé de la tête. Intervention en deuxième balle pour le Sirocco qui parvient à dégager. Yohan Amboisine qui essaie de faire la différence. Attention à ce ballon. Intervention de Baptiste Waldren. Deuxième ballon pour Jesse Cancel qui trouve un partenaire sur le côté gauche. Il s'agit bien sûr de Bourguignon Henrik. Et ses ballons perdus, récupérés par Rudy Voto qui va faire le travail sur le côté droit et derrière. Alors ce ballon de Rudy Voto est passé très loin. Le ballon qui est allé dans le décor. Mathieu Philemon, le gardien de cette équipe du Sirocco des Abîmes, s'apprête à dégager pour cette formation du Sirocco des Abîmes qui est en train de réaliser une très très bonne saison. Médicisic qui temporise, il va repasser par son compère en défense, Terry Schillingford. Schillingford, Remski Gerbier, Jesse Cancel, chassé par deux joueurs de l'USB. Il a encore ce ballon et c'est Pédurin qui a été servi. Jonathan, Jesse Cancel dans l'intervalle, mais cette passe a été mal ajustée. Le ballon qui va sortir dans le décor. L'occasion pour Saint-Denis-France. Le gardien de l'USBM de jouer ce ballon. Nicolas Samé, Bolivar. En retrait, Samé. Le dégagement de Nicolas Samé. Ce ballon contré, sortir en touche pour les locaux. Merci de partager et merci de vous abonner également à Total Sport Caraïbes. Merci aux super partageurs dont Raymond Germain, les Kiaba.
et les fans de l'USVM qui s'apprêtent à créer l'ambiance ici à Bémaro. Et ce ballon dégagé par Philemon Mathieu. Deuxième ballon pour Wilfred Mévis. La passe de Mathieu. La balette donc toujours pour les Bleus de l'USVM avec Rudy Vuto. Joao Théophile devancé par Kevin Romage. En tout cas, il y aura beaucoup de variations dans le dispositif de cette équipe du Sirocco des Abîmes. Rudy Vuto en retrait. Sur Daniel ou encore Gaboton. Certini France, Johan Amboisine qui met en profondeur intervention de Mathurin Manor. Attention à ce ballon, à Kevin Romage qui cherche à Wilfred Mévis. Et ce ballon retrait est donc toujours pour les Abimiens avec ce ballon Pédurin à Redsol. Le ballon qui est passé à côté. Le ballon et donc pour l'USBM Samé qui met en profondeur. Deuxième ballon pour le Sirocco des Abîmes suivant l'indication de l'arbitre assistant Ruben Eugène. Entre touche avec Daniel Gaboton, intervention de la tête. Deuxième ballon pour Laurie Deméa qui va perdre ce duel, mais derrière il se bat pour la récupération de ce ballon. Attention à ce ballon retrait dégagé par Saint-Denis France. La tête et ce ballon récupéré avec Cancel Jessie. Attention à ce ballon sur le côté droit. Mathurin Manoir qui va essayer de faire la différence. Et ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Attention, Jonathan qui perd ce ballon. 3 contre 2, ça doit aller vite. 3 contre 2, ça doit aller vite. Woody Vuitton qui coupe le terrain. Woody Vuitton qui fait la différence. Attention, Nil Delos. Oh, il est en jeu, Nil Delos. Il est en jeu. Il est en jeu, Nil Delos. Ah non, ah non. Mais non, il n'est pas au jeu. Il n'est pas au jeu. En tout cas, la ville centrale estime qu'il y avait en jeu. Woody Vuitto qui est en jambe. La passe de Woody Vuitto. À Bolivar qui se bat. Ce ballon dégagé. La touche pour l'USVM avec Joao Théophile qui met le ballon dans la boîte directement sur Mathieu Philemon qui trouve Remski Gerbier avec Bouguillon Henrique et Cancel. Et Cancel chassé par Joao Théophile. Il parvient à jouer ce ballon sur Hendrick. Intervention de Théophile. Le ballon qui est sorti à touche.
Attention, ce ballon en profondeur, intervention de la tête en de Samé Nicolas. À Samé, qui trouve Bolivar, qui fait la différence. La passe en de Bolivar sur Waldren Baptiste. Baptiste, Rudy Vuto. À Vuto, c'est bien fait, c'est bien fait. Jean Théophile, Baptiste Waldren. Baptiste Waldren, chassé par Mathurin Manoa. Il y a faute, non. Il y a faute sur Mathurin Manoa. Attention, ce ballon. Rensky Gervier qui trouve Romage Kevin. Romage. Et Cancel Jesse. La passe en profondeur des Cancel. Mais très bonne lecture de Nicolas Samé. Romage qui remet le ballon. Intervention de la défense bémarossienne. Rudy Vuto. Yoran Amboisine qui ne prend pas de risque. La déviation de Bolivar. O'Neill Delos qui s'est proposé. Il y a faute, mais c'est l'arbitre sur O'Neill Delos. Bonsoir Darry Bride, bonsoir Dim Kalo, bonsoir Vadimon, bonsoir Joël Noyon. L'ASM qui mène par 2-0, nous dit notre ami Joël Noyon. Et ce ballon sur le côté droit avec Gaboton. Attention, attention, tout fait les cas. Et ce ballon est donc encore en jeu pour l'USBM avec... Caboton Daniel, Yoran Amboisine, Baptiste Waldren, assure Joao Théophile, Rudy Vuto qui parvient à sauver ses ballons. Et c'est le Sirocco des Abîmes qui reprend la possession avec cette passe de Rensky Gerbier. Et Pédurin, hommage. Jesse Cancel, Rensky Gerbier, la passe, la déviation à Saint-Denis France pour calmer tout le monde. Rudy Vuto qui fait la différence sur ce contrôle. Rudy Vuto qui a les jambes. Ce ballon va sortir en corner. Non, c'est dans le décor. On va revoir ce contrôle de Rudy Vuto qui met au sol le joueur du Sirocco des Abîmes. Mathieu Manoa. La touche pour l'USBM avec ce ballon de Laurie Deméa sur Baptiste Waldren. Waldren qui a voulu jouer en profondeur sur Rudy Vuto. Mais le ballon qui est allé en touche pour les Abimiens. La 17e minute, temps de jeu bouclé ici. Zéro but partout entre l'USBM et le Sirocco des Abîmes. La touche effectuée. Jesse Cancel. Rensky Gerbier. Pédurin. En retrait sur. Attention à ces ballons. C'est une France pour calmer tout le monde et relancer sur Gaboton. Daniel. La passe de Gaboton. Attention. Tout fait ou encore Jean Théophile. Attention, il y a du monde sur le côté gauche. Et finalement il parvient à jouer sur Rudy Vuto. À protection maximale de Rudy Vuto. En retrait, Baptiste Waldren, Jean Théophile.
La passe en profondeur de Théophile. Et ce ballon dégagé par Hendrick. Mathurin Manoir pour lancer en profondeur. Wilfred Mévis. L'intervention de Nicolas Samé pour concéder la touche. Le ballon est donc à Rudy Vuto, récupéré par Bolivar. Bolivar pour l'USBM. Bolivar, la passe en profondeur de Bolivar. Attention, Nil Delos. Il a été bien chassé par Médis Cizik. Attention à ces ballons. Et le dégagement final. Ambroise Ignouan pour faire la différence. Jean Théophile sur Laurie Deméan. La passe de Laurie Deméan en profondeur. Intervention de la tête de Médis Cizik. Bourguignon qui essaie de jouer au retrait. Il parvient à se défaire du maquage de tout fait Lucas. Thierry Schellingford. L'USBM récupère Jean Théophile. Jesse Cancel pour le Sirocco des Abîmes. Remski Gervier. Dégagement de Johan Amboisine. A qui encore ce ballon. Laurie Deméa assure Rudy Vuto, mais très bonne lecture. La passe a été mal ajustée. Et le Sirocco va essayer de repartir avec ça. Kevin Romage. Mévis. Attention à ce ballon. Chippé par Onil Delos. Et derrière l'USBM va essayer de repartir. Assamé. Assure Jean Théophile. Daniel Gaboton, le projet de Daniel Gaboton qui appuie sur le côté droit avec Toufet Lika, le centre de Toufet. Et ce ballon capté par le portier Mathieu Filémon. Remski Gerbier. Péturin Gerbier. Henrik Bouguillon. Remski à nouveau. Remski. Et Terry Schellingford sur Cancel Jesse. Et attention à ce ballon perdu. Mathurin Manoir, Jesse Cancel. Et c'est bien fait. Attention à cette très belle sortie de balle du Sirocco des Abîmes. Mais derrière, cette passe a été mal ajustée. Attention, parce que ça peut aller vite. Parce que c'est Rudy Vuto. Mais derrière, il n'a pas été. Sa passe n'a pas été bien suivie. Onil Delos, qui était trop court pour jouer ce ballon. Jonathan. Il y a faute sur Jonathan. Laurent Jonathan. À l'USBM avec Samé Nicolas. Gaboton Samé. Samé. Mauvaise passe de Samé. Ce ballon récupéré par Jesse Cancel. Du Sirocco. Il y a faute sur Cancel. Le coup franc à venir pour cette équipe du Sirocco des Abîmes. C'est Jonathan Laurent qui s'apprête à botter ce coup franc.
Ce ballon dégagé, attention à ce ballon. Rimski Javier pour une frappe contrée par Samé. Attention à ce ballon, mais très bonne intervention d'Henrik Bourguignon. Et derrière, c'est le Sirocco qui va repartir avec Kevin Romage. Le centre au second poteau de Romage, mais personne. Et ce ballon dégagé par Gaboton. Daniel en touche. Le Sirocco des Abîmes qui joue à le derby contre Jeunesse Évolution dimanche. Zéro but partout entre les deux formations. 24e minute en jeu dans ce match. Johan Amboisine. Et c'est bien fait avec Mathieu Amanois sur Rimski Javier Cancel. Cette équipe en Sirocco. Avec ce ballon. Intervention de Mathieu. Attention, ce ballon récupéré. Et cette frappe de Jonathan. Ouais, sur le banc du Sirocco, il y a du monde. C'est Moloïc, Sébastien Manijan, Salibu Olucci, Giadine Nicolas, Livio, et pour l'USBM, Brosis, Menelik, Eugène Alexandre, Mathis Calix, Picactus, Luciani, Douglas Josseran. Intervention de la tête de Kevin Romage. Deuxième ballon dévié de la tête. Attention. Très bon retour. Attention. Possibilité d'une frappe avec. C'était Laurent Jonathan. Attention. Attention. Ils ne se sont pas bien compris. Et le ballon qui est donc finalement dégagé par cette équipe de l'USBM. Récupération rapide du Sirocco des Abîmes. Malheureusement, ce centre est allé dans le décor. En tout cas, c'est vrai, l'USBM, au niveau des résultats, c'est pas encore ça, mais on ne peut pas reprocher l'USBM de son organisation, de ce côté où les clubs créent quelque chose pour mettre de l'ambiance, même pour les ramasseurs de balles. Donc, voilà, ce côté-là, on ne peut pas reprocher cette équipe de l'USBM qui est d'ailleurs à l'attaque. Attention, cette passe de O'Neill Delos. Le deuxième ballon avec Toufet Lucas. Toufet. Le ballon est allé en touche pour les Bémaroussiens. 27e minute en jeu, quasi bouclé. Zéro but partout entre les deux formations. Certains coups francs venir au pont. L'USBM. Attention. À la tête tendue, longue ligne attaquant O'Neill Delos. Attention à ce ballon qui a été mis dans la boîte. Le ballon, ce ballon qui a été dévié, mais c'est un corner. Ce premier coup de tête de O'Neill Delos, mais derrière c'est le défenseur du Sirocco qui a mis ce ballon en corner. Bonsoir William Lambert.
Luc Conner a venu, attention, ce ballon joué à des... La possibilité de centre dans la surface de préparation. Ce ballon dégagé. Deuxième ballon avec Woody Fouto qui remet le ballon dans la boîte. Nouveau dégagement. À touche. L'USBM qui cherche à trouver la faille dans la défense abimienne. À Théophile. Ah, il y a faute sur Dimitri Bolivar. Cette faute commise en part. Sizik Medzi. Attention à la puissance de Woody Vuto. Woody Vuto pour... A beauté à ce coup franc où. Ah, c'est peut-être la force, la puissance de Woody Vuto ou la finesse de joueur au Théophile. C'est Woody Vuto qui va en force. Et ce ballon à ras de sol capté par le gardien du Sirocco des Abîmes. Mathieu Philemon qui va dégager très vite sur Laurent Jonathan de la poitrine. Mais le ballon, attention, récupéré cette mauvaise passe de jeu pour l'USBM. C'est Tilly France. Oh, c'est cadeau de Mathieu. En fait, c'est Nicolas Samé. Mais derrière, c'est Tilly France qui a sauvé cette équipe de l'USBM. Sur cette frappe puissante, on va revoir cette action. Non, c'est pas de cette zone qu'on doit tenter à ces gestes. Cette frappe puissante du gauche en deux, Jonathan Laurent. À sortir par Saint-Denis-France en demi-heure de jeu bouclé. À Luc Conner à venir pour... En cette formation du Sirocco des Abîmes. Attention à ces ballons. Et c'est une France. Nouveau Conner. Le ballon qui est allé à Conner. À nouveau Conner. Ah bon, cette équipe du Sirocco des Abîmes qui met la pression devant le but de Cetini France. Et les fans de l'USBM qui continuent de créer l'ambiance. Et le corner à venir avec... P. Durand, Mehdi qui met le ballon au retrait, Rimsky-Gerbier, le crochet de Rimsky-Gerbier, cette frappe à contrer, dégagée par la défense de l'USBM, attention, gros duel, faute, coup franc pour les Bémarossiens, qui vont jouer très vite, mais c'était une mauvaise passe, le ballon qui est allé en touche. Ah oui, c'est propre. C'est propre. Oh, l'éternel. Notre touche pour les Bémarossiens avec Daniel Gaboton, le contrôle de la poitrine. Deuxième ballon pour les Abîmes avec Cancel. En tout cas, il aura répondu présent dans ce début de match, Jesse Cancel. Un peu partout dans ce milieu de terrain du Sirocco des Abîmes. Notre touche pour les Bémarossiens. Daniel Gaboton. Gaboton qui met le ballon
mais personne. Sinon, c'est le portier abimien, Philemon Mathieu, et qui va pouvoir dégager de la main sur son latéral gauche, Bourguignon Henrik, qui trouve Pédurin. Laurent Jonathan Pédurin, il y a quelques espaces. Attention à ses centres. Romage au second poteau. Il remet le ballon dans la boîte. Et pénalty. Pénalty pour le Sirocco des Abîmes. On va revoir cette action qui me semble nette, claire. Non, Baptiste. Il doit aller au duel. Yoann Amboisine, il a commis la faute. Sans contestation, le pénalty pour cette formation du Sirocco des Abîmes. Il me semble, c'est ce Kevin Romage, l'ancien joueur de l'USBM, face à son ancien coéquipier Saint-Denis France. 34e minute en deux jeux, le Sirocco des Abîmes a une balle pour prendre les devants au tableau d'affichage. Et c'est Kevin Romage face à cette Team France pour mettre le ballon au fond. Et c'est à contre-pied. Voilà Kevin Romage qui décante la situation pour cette équipe du Sirocco des Abîmes. Et c'est un ancien de la maison qui parvient à faire la différence au tableau d'affichage. 1-0 pour le Sirocco des Abîmes. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas tremblé pour décanter la situation sur ce geste maladroit de Yoann Amboisine. 35e minute en de jeu. Et voilà le Sirocco des Abîmes et qui met l'USBM dans une situation de réaction. Si c'est vrai, l'USBM a essayé de bien élaborer dans le jeu. Mais pour le moment, ils n'ont pas mis en difficulté le gardien du Sirocco des Abîmes. Le dégagement de la défense en maroussienne. Et là, c'est là que l'USBM doit faire un peu plus d'efforts. Attention à cette frappe. Le ballon qui est passé à côté. Et but à zéro pour le Sirocco des Abîmes. Si vous nous rejoignez à peine, sachez que cette équipe de Sirocco des Abîmes a décanté la situation à la 35e minute. Temps de jeu sur pénalty. Attention à ce deuxième ballon qui va directement corner. Alors ce pénalty transformé par Kevin Romage suite à cette faute commise par Yoann Amboisine. Le point de pénalty a été logiquement
accordé par Yanel Zadzig. Ah, il pleut, mais il fait chaud. Il fait très chaud. Ah, il fait chaud. Il fait chaud. Attention à ce corner à venir qui est donc au second poteau. Intervention de la tête de Bolivar. Et cette frappe à venir de Rimsky-Gerbier. O'Neill Delos. Un touche pour. Ah, il y avait faute de O'Neill Delos. Ah, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Il fait très chaud. Un ballon dégagé, 39e minute en jeu. Intervention de la tête en l'USBM qui doit réagir. Jonathan Laurent a chassé par deux joueurs de l'USBM. Laurie Demeya. Ah, il y a trop de facilité dans les gestes. Du côté de l'USBM. En tout cas, il y a des résultats sur. Yes! Attention à ce ballon pour Rimsky-Gerbier qui joue en retrait. Bien joué avec Hendrik à touche pour les Bémarossiens dans ce match. Attention, attention, le ballon n'est pas sorti. Dégagement d'Hendrik. Jonathan Laurent, l'avantage a été laissé et super bien arbitré. Et derrière, c'est Romage qui a été bien rattrapé par Samé Nicolas. Le décalage sur le côté droit avec Mathurin Manoua. Manoua, le centre de Manoua directement dans la niche de Saint-Denis France qui va pouvoir dégager pour cette équipe. Il y a faute sur Daniel Gaboton. Là, le ballon en retrait sur Saint-Denis France qui dégage. Mauvais dégagement de Saint-Denis France. Ah, sur ce côté-là, l'USBM est vraiment en difficulté. Attention à ce ballon à venir avec Jesse Cancel. Laurie Demeya. Rudy Voutot. Chassé par Jesse Cancel qui fait un match monstrueux. Le ballon qui est allé en touche pour les Bémarossiens. On n'est pas loin de la fin de cette première période où cette équipe part du Sirocco des Abîmes. A pris le contrôle des opérations dès la 35e minute en jeu par Kevin Romage, le numéro 9 du Sirocco des Abîmes. Merci d'être toujours avec nous pour les différentes rencontres sur Total Sport Caraïbes. Bolivar, mauvaise passe de Bolivar. Ah, l'USBM qui va se déplacer. Attention à ces ballons, Mévis, Cancel, à ce Romage, à Pédurin. Attention à ce centre de Pédurin. Ah, je pense qu'il a vu Saint-Denis France avancer un peu.
Il a mis le ballon directement. Malheureusement, sa frappe n'a pas trouvé le cadre de Saint-Ignace. Un ballon dégagé. Il y a faute laissée l'arbitre. Il y a faute sur O'Neill Delos. Ah, très bon arbitrage jusqu'à présent. Bolivar. Divoto, à Bolivar. Amboisine Yohan. Bolivar. Oh, puis à faute, mais c'est l'arbitre. Ah, ça mérite un carton. Ah, il va prendre son carton. Logique. Ah, Jesse Cancel qui était dépassé par à Bolivar. Il a pris le jaune. Logique. Il a pris un jaune logique et ce ballon dans la boîte, intervention de la tête. Et c'est le Sirocco des Amis qui va repartir avec un peu d'endurance sur Jonathan. Attention, il trouve le bon décalage. Kevin Romage peut faire la différence. La frappe de Romage. Voilà le deuxième, mesdames et messieurs. Kevin Romage pour doubler la mise. 45e minute de jeu. L'ancien joueur de l'USBM pour Félibric. Romage 2-0. Voilà cette équipe de l'USBM qui est encore dans une situation très 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 compliquée. Alors qu'on entame la première minute du temps additionnel. Oh que c'est dur pour cette équipe de l'USBM. Ah, cette frappe qui a trompé Cetini France. Le doublé pour Kevin Romage. ...2-0 pour le Sirocco des Abîmes pendant qu'on revoit cette action. Depuis à zéro pour cette formation du Sirocco des Abîmes qui aura fait preuve d'efficacité. Voilà, c'est la fin de cette première période sur ce score de 2-0 pour le Sirocco des Abîmes. Kevin Romage, 35e. Et 45e minute en de jeu. Voilà, cette équipe du Sirocco des Abîmes qui mène 2-0. Voilà, mesdames et messieurs, la fin de cette première période. On va observer une pause, le temps de vous retrouver pour la deuxième période de ce match. À tout à l'heure.
C'est ballon. Attention, c'est coûté. Steven Davidas qui fait la différence avec sa rapidité et la mobilette. Davidas est parti. Steven Davidas encore, il est parti en soi. Retrouvez le meilleur de l'information locale sur le Pige TV. Le Pige TV est le premier de l'information sur les réseaux sociaux qui diffuse des sujets d'actualité en instantané sur votre téléphone. Si vous ne voulez plus rater aucune info, rejoignez sans plus tarder notre communauté qui compte déjà plus de 10 000 membres sur WhatsApp. Pour la médiatisation info de vos événements, contactez Dan Martias, fondateur et journaliste du Pige TV au 0690 62 24 62. Bonsoir à tous, ici Joli Jérôme. Retrouvez-moi tous les vendredis de 16h à 17h sur Total Sport Caraïbes, ici au studio de BD Productions à Pointe-à-Pitre pour l'émission Total Régal avec mes invités. Ensemble, on va se régaler, on va faire tout simplement du Total Régal. À très vite sur Total Sport Caraïbes. Avec Total Régal, il n'y a pas d'égal, nous sommes tout simplement les meilleurs. Rodrigue, Céline et Claude ont deux points communs. Ils ont dû faire face à un litige juridique. Ils ont choisi Judexis, cabinet d'avocats de référence en Guadeloupe. Composé de femmes et d'hommes hautement qualifiés, Judexis Avocats a fait preuve de réactivité, de disponibilité et d'efficacité lors du divorce de Céline et de l'indemnisation de Rodrigue après son accident de voiture. C'est grâce à Judexis Avocats que Claude a pu créer sa société et racheter le magasin de son oncle. Judexis, une détermination sans faille pour veiller à vos intérêts. Judexis, Jarry, Abîme et Sainte-Rose. 0590 88 44 44. Besoin de justice? Judexis. www.judexis.com. Ce ballon. Attention, c'est coûté. Steven Davidas qui fait la différence avec sa rapidité et la mobilette. Davidas est parti. Steven Davidas encore, il est parti en soi.
Rafael Nival! Rafael Nival! C'est ballon. Attention, c'est coûté. Steven Davidas qui fait la différence avec sa rapidité et la mobilette. Davidas est parti. Steven Davidas encore, il est parti en soi. Professionnel, vous êtes confronté à un litige d'ordre juridique. Judexis, cabinet d'avocats de référence en Guadeloupe, vous accompagne en conseil et en contentieux. Judexis, c'est une équipe de femmes et d'hommes hautement qualifiés, disposant d'expertise complémentaire à votre service. Excellence, proximité, disponibilité et engagement sont les valeurs essentielles de Judexis. Une détermination sans faille pour veiller à vos intérêts. Judexis, Abîme, Jarry et Sainte-Rose. Besoin de justice? Judexis. www.judexis.com. Retrouvez le meilleur de l'information locale sur le Pige TV. Le Pige TV est le premier de l'information sur les réseaux sociaux qui diffuse des sujets d'actualité en instantané sur votre téléphone. Si vous ne voulez plus rater aucune info, rejoignez sans plus tarder notre communauté qui compte déjà plus de 10 000 membres sur WhatsApp. Pour la médiatisation info de vos événements, contactez Dan Martias, fondateur et journaliste du Pige TV au 0690 62 24 62. De retour pour la deuxième période de ce match entre l'USBM et le Sirocco des Abîmes. Le Sirocco qui mène par 2-0 grâce à deux réalisations signées Kevin Romal, 35e, 45e minute en deux jeux. Donc voilà, cette équipe de l'USBM qui doit vraiment réagir face
à cette équipe du Sirocco des Abîmes. Alors, il y a Sébastien Manigean qui va rentrer en jeu pour le Sirocco des Abîmes. Donc Sébastien Manigean qui rentre en jeu à la place de qui je vais voir ça. Ah, c'est le numéro 14, Laurent Jonathan qui cède sa place. Donc voilà, c'est parti pour cette deuxième période. Mesdames et messieurs, tout en espérant qu'il y aura autant de buts que la première. En tout cas, on peut pas. On peut pas dire le contraire, hein, parce qu'on aura vu une bonne première période avec beaucoup de buts, mesdames et messieurs. Donc, les 11 acteurs du côté de l'USBM ont été reconduits. Attention à ces ballons. Danger pour l'USBM. Voilà le troisième. Oh, quel délire ici au stade Fieschi Duchesne. Ah, on entame à peine la première minute. Et l'USBM encaisse un troisième but. C'est du délire total ici. Ah, c'est Cancel. Il a fait la différence sur Johan Amboisine, qui n'aura pas fait un bon match ce soir. Jesse Cancel. 46e minute de jeu. C'est du délire total. 3 buts à 0 pour le Sirocco des Abîmes. Attention, Wilfred Mévis. Mévis, la passe à demi-vis. Attention, un peu durant. Et le ballon n'est pas sorti. Danger pour l'USB. Oh, catastrophique! Catastrophique tout simplement. Triplé de Kevin Romage. En moins que deux minutes, l'USBM encaisse des buts. C'est catastrophique, cette équipe de l'USBM devient méconnaissable. Du délire total. 4 buts à 0, on va revoir. Oh, Amboisine. Oh, incroyable, 4 buts à 0. J'ai même pas eu le temps de modifier. J'ai même pas eu le temps de modifier le tableau d'affichage. 4 buts à 0. C'est du délire total. Alors, et malgré tout, les fans de l'USBM sont en train de nous régaler avec cette ambiance. Ils sont en train de nous égaler. Ah non, c'est catastrophique. Et le ballon pour le Sirocco des Abîmes. Ah, il faut
que cette équipe de l'USBM réagisse Ah, c'est catastrophique. Quatre buts à zéro pour le Sirocco des Abîmes. Voilà le changement, la sortie de Johan Amboisine. La sortie de Johan Amboisine, mesdames et messieurs. Donc Mathis Calix. Et c'est ballon avec Rudy Boutot, Sébastien Manigeant. Boutot qui fait la différence. Et ce ballon dégagé en retrait. Une 51e minute en jeu et 4 buts à 0 pour le Sirocco des Abîmes. Si vous nous rejoignez à peine, ça c'est, sachez que l'USBM a encaissé 2 buts en 2 minutes. 46e et 47e minute de jeu. Rudy Boutot qui fait la différence. Et ce ballon retrait sur Mathieu Philemon. Dans le dégagement de Mathieu Philemon, le ballon est allé en touche. Ah, Johan. Ah, ce soir, il était mauvais. Il était mauvais tout simplement. Rien à dire. Il n'était pas bon, Johan Amboisine. Voilà, Josevan Douglas qui va entrer pour l'USBM. Quatre buts à zéro pour le Sirocco des Abîmes. Attention à ce ballon. Intervention avec Mathis Calix. Et ce ballon récupéré par le Sirocco des Abîmes. Avec cette passe au jeu. Thank you.
Même depuis quoi pas. Le ballon qui est sorti à touche pour cette équipe. La sortie de tout fait. Voilà. Le ballon pour l'USVM avec Rudy Fouteau. La possibilité d'une frappe. Ballon sur le côté droit. Intervention de la tête. Sébastien Manigeant qui essaie de jouer en profondeur. Attention, ça peut aller vite. Ça peut aller vite avec Wilfred Meves qui trouve un partenaire sur le côté droit. Romage. L'homme du match. À 3 buts de Kevin Romage. Intervention de la tête. Bon, vous êtes calme là. Ouais, attention, ce ballon a vu jouer pour l'USVM. Intervention. Un dégagement du Sirocco des Abîmes. Deuxième ballon pour cette équipe du Sirocco sur le côté droit. Attention, il y a de l'espace. Le centre à danger pour l'USVM. Intervention. Intervention. Et ce ballon dégagé par Baptiste Waldren. Joao Théophile. Qui trouve Nicolas Samé. Mauvaise passe de Nicolas Samé. Remski Gervieux à la récupération de ce ballon. À Sébastien Manigeant. Oh, le Sirocco déroule. Et ce ballon dégagé de Serran Douglas. Qui perd ce ballon. Hendrick. Il y avait faute sur Hendrick. Le coup franc venu pour le Sirocco des Abîmes. Le coup franc à venir pour cette équipe du Sirocco des Abîmes avec Pedjura Medzi. Pedjura qui met le ballon, c'est très mal exécuté. C'est coup franc de Medzi Pedjura.
Voilà. Ah, je sais pas. Et qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Quatre buts à zéro pour les Turcos des Abîmes. Cancel assure les Durand. Ah, c'était Mathieu Manoua sur le côté droit. Attention à ce ballon manqué. Attention à ce ballon manqué. Mathis Calix qui reprend la possession du ballon pour l'USBM. Attention. Ce ballon perdu, récupéré par Cancel. Jesse. Les Durand qui lance. Henrik, son centre a été mal ajusté. C'est une France qui est déjà allé au fond de ses filets à 3 reprises, à 4 reprises, pardon. Attention à ce ballon en profondeur. Attention à ce ballon, mais. Il y a faute pour le Sirocco des Abîmes. Avertissement pour Rudy Voto. Ensuite, à cette faute commise sur Rimski Gervier. Manijan qui arrive à se retourner sur lui-même. La possession est donc toujours à Dimienne. Pédurin, la passe de Pédurin. Le ballon qui va sortir dans l'unicor pour Saint-Denis-France. Dégagement de la défense des Marocaines. Ménélic, joueur au Théophile. Baptiste Waldren qui essaie de trouver la profondeur. Mais tous les ballons en profondeur, c'est pour le Sirocco des Abîmes. Atterri chez Lingford. Allez. Attention, attention à ce ballon. Attention à ce ballon. Attention à ce ballon, voilà le cinquième. Wilfried Mévis, est-ce qu'il y avait faute au départ de l'action? En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de voir. Oui, il y avait faute. Ah non, il y avait faute. Oui, il y avait faute. Il y avait faute, mais l'arbitre, il s'est trompé sur cette action. Regardez. Ah, à aucun moment il a joué le ballon. Il y avait faute. Mais ça fait 5-0 pour le Sirocco des Abîmes. Ah, 5-0 pour le Sirocco des Abîmes.
Et après, on se demande comment un défenseur peut oser à ce point pour aller réaliser ce dribble. Ouais, là, il peut dégager le ballon. Ah non, non, non. Ah, c'est des tontons Noël. Même si j'avoue qu'il y avait faute, en tout cas selon moi. Ah, parce que l'attaquant du Sirocco n'a pas joué le ballon. Mais c'est pas des fautes, c'est pas des erreurs qu'un défenseur doit commettre. Ah non, c'est le Sirocco. Alors, tu me dis que le défenseur n'avait pas la maîtrise du ballon. Oui, je suis d'accord. Mais l'attaquant du Sirocco a joué quoi? Le ballon ou les pieds du défenseur? C'est là la question. Il a joué quoi? Le pied du défenseur ou le ballon? On est d'accord, le défenseur, c'est une espèce de passoire. Mais après, il y a faute. Il y a faute, regardez. C'est clair, il perd la maîtrise du ballon, mais il a joué le pied du défenseur. Voilà la sortie de Rimsky-Gerbier, qui aura fait un très très bon match. Ah, l'USVM. Là, à ce rythme-là, ils vont prendre demi-douzaine. Ah, ils vont prendre demi-douzaine. Et le Sirocco des Abîmes, qui est leader au moment où nous parlons de la régionale 1. Ah, le dégagement de Mathis Kalit. Qui a beaucoup de choses à apprendre, le jeune défenseur de l'USBM. Mais non, c'est pas le pied du défenseur qui touche l'attaquant. C'est pas du tout le pied du défenseur qui touche l'attaquant. C'est le pied de l'attaquant qui touche le défenseur pour... il n'a pas joué le ballon. Regarde. Il est allé chercher le ballon. Ah, c'est une reprise manquée. Mais la défense de l'USVM, c'est un vrai passoir. Ce soir, c'est... Yoann Aboisside a laissé sa place. Attention, Rudy Bouteau. Et voilà! La réduction du score de Rudy Bouteau en puissance. 5 buts à 1. Non, la défense de l'USBM, c'est du jamais vu. Hein. Voilà l'USM qui réduit le score. Hendrick qui va acquitter le match.
Voilà. Alors, le dégagement. José Rando Glass à Bolivar, un ballon contré. Voilà l'animation de taille ici. Si c'est vrai l'USDM, perd ce match, mais l'ambiance est tout autrement dans les tribunes. Attention à ces ballons. Intervention de la tête. Le ballon n'est pas sorti. Et Cancel qui essaie de jouer. Ah, c'est une équipe de l'USVM qui perd vraiment beaucoup de choses. Voilà la sortie de Hendrik, l'entrée de Salibur. Romage, le centre de Romage à ce ballon dégagé. À Sébastien Manigeant, sur Salibur, Luigi, Semouloïc. Mathieu Affilemont, 73e minute de jeu. La rentrée touche pour l'USVM. Ah, l'USVM qui reste sur deux défaites en championnat. Attention à ce centre. Facile pour Mathieu Filemon qui relance de la main sur Loïc Semou. Semou, la passe de Semou en profondeur. Attention, c'est une faute. Je vous ai dit, l'USBM a le caissé depuis 12 ans de but. Wilfred Bévé, ça pourrait doubler. 75e minute de jeu. Ah, l'USBM qui est en pédition totale. Mauvaise lecture, mauvaise appréciation de City France. Wilfred Mévis, ça pourra aller planter le demi-douzaine début dans les filets des Bémarossiens. Cette équipe de l'USVM aura montré à ce soir sa pire version. Ah, cette équipe de l'USBM aura montré
On va montrer un visage. Ça, c'est un visage de d'une équipe qui est en perdition. Mauvaise lecture de Saint-Denis France. Donc ça fait une passe décisive. Il peut rester, le ballon va arriver. C'est dur, oui, mais après c'est avertissement pour le numéro 7, Sébastien Manigeant. Non, il n'a pas besoin d'anticiper. Il n'a pas besoin d'anticiper. Regardez le ballon. Regardez. Là, le joueur ne peut pas jouer le ballon. Le ballon fait un rebond, il arrive dans la surface. Donc, l'attaquant n'aurait pas eu le temps de jouer le ballon s'il reste dans la surface. Voilà, 6 buts à 1. Pour cette équipe du Sirocco des Abîmes. Voilà, le Sirocco qui a parfaitement géré ce match. Non, ce soir c'était un jour sans pour l'USBM. Le dernier match qu'on avait commenté c'était contre Dynamo. On a vu une équipe de l'USBM avec un autre visage. Mais les deux premiers buts, ça, le troisième et le quatrième but a tué complètement l'USBM. Voilà. Attention, il y avait un jeu. Alors, 2-1 pour l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical mène 2-1 au dépens du CERFA. Donc l'USBM va jouer l'Amical à... Je crois que c'est samedi. Ça c'est un match à 8 points pour l'USBM. Hein? C'est un match à 8 points pour l'USBM. Ils doivent gagner cette équipe de l'Amical. Et le Sirocco des Abîmes, mais c'est pas fini. On a vu une équipe de l'USBM avec un sentiment d'impuissance.
la fin de la saison, c'est ça s'annonce compliqué. Louis Demeyer. La sœur Samy. Franchement, moi, honnêtement, je comprends rien du tout dans la parce que ce soir, il y avait un match féminin qui était programmé sur le CTR. L'USB l'étoile, je crois. Pour la programmation, je comprends rien du tout. Je comprends rien du tout. Dans la programmation. Voilà, 82e minute en de jeu. On n'est pas loin de la fin de ce match. Le Sirocco des Abîmes à l'attaque avec Pays Durand. Attention à ces ballons récupérés. Peut-être le 7e intervention de Saint-Denis-France. Ça se voit, il y a beaucoup plus d'envie du côté de Sirocco. Notamment avec ces ballons chippés par Jesse Cancel, Manigean Sébastien. Et qui échoue face à Saint-Denis-France. Rentrée de touche avec Salibur Lucci. Attention à ce ballon avec cette frappe captée par Saint-Denis. Voilà, match avec beaucoup de buts. On aura vu 7 buts dans ce match. On s'est bien régalé. Ce ballon sur le côté droit. Intervention de la tête en de Salibur. Et qui gagne son duel. Et c'est la faute qui a été signalée par l'arbitre central Yanel Zadig. Coup franc à venir pour l'USBM avec Rudy Vuto, 84e minute en de jeu. Vuto, il va en fosse. Il est en force. Rudy Vuto pour ce coup franc. Non, il a le ballon dans la boîte, mais personne. Il n'y avait personne. Vraiment personne. Possibilité de centre. Le centre, ce ballon est contré. Sorti en touche pour les Bémarossiens de l'USBM avec ce ballon dans la boîte. Et le ballon est donc contré. Le danger est encore présent. Et ce ballon capté par le gardien. Ce ballon capté par le portier abimien. Sur cette frappe en deux joueurs au Théophile. Laurie Demeyer. Il y a faute en sur Demeyer Laurie. La 85e minute temps de jeu. Bientôt la 86e. 6 buts à 1 pour les Sirocco des Abîmes. Avec des réalisations de Romage à 35e minute.
Romain Jamaquin, un triplé, 35e, 45e, 47e. Et alors, c'est 45e plus 1 en première période. Et Jesse Cancel à la 46e minute en deuxième période. 65e, 75e pour Wilfried Mévis. Et pour l'USVM, c'est Rudy Voutou. Il avait réduit le score. Attention à ces ballons, il n'y a pas position de hors-jeu. La possibilité de 7e but avec Loïc Simon. Voilà! Le triplé pour Mévis. Le triplé pour Wilfried Mévis. 86e minute de jeu. Le triplé pour Wilfried Mévis. 86e minute de jeu. On va revoir ça tranquillement. 7-10 France, ça fait. Il a dévié le ballon, mais c'était pas suffisant. Mévis, 7 buts à 1 pour le Sirocco des Abîmes. Voilà. Et peut-être à 8. Et peut-être à 8. Il y avait un jeu. Voilà, 7 buts à 1. En tout cas, c'est pour la première fois. Je commente un match depuis 3-4 ans. Il y a autant de buts. Attention, et pourquoi pas le 8e? Pourquoi pas le 8e avec Pedro? Oh, ça devient trop facile. Ça devient trop facile. Pour le Sirocco des Abîmes, 8 buts à 1, 88e minute de jeu. Ça devient vraiment trop facile pour cette équipe du Sirocco des Abîmes. Voilà, heureusement, il y a Total Sport pour vous montrer les ralentis. Heureusement. Mais un match à 8 buts à 1. Ils mettent 4 minutes de temps additionnel. Pour faire quoi? Non, pour faire quoi? 4 minutes de temps additionnel. Mais non. Non, 4 minutes de temps additionnel. Pour faire quoi? Mais ils ont mis 4 minutes de temps additionnel. Mais non. En tout cas, record, c'est la première équipe qui l'USBM a mis 6-0 contre 6-0 contre Cambouis Fort. Et là ça fait 8 buts à 1. Voilà. Ah non, c'est trop facile. Voilà. Non, moi, la vie centrale, 90 minutes, je siffle la fin. Attention à ce ballon qui n'est pas sorti. Oup, le petit pont validé. Et deuxième ballon est donc pour les Marocains avec. Il y a faute, monsieur l'arbitre. Il y a faute en de Salibur. Mais non, à aucun moment Manigean peut être l'homme du match. Déjà, il est entré. On était déjà à 4-0.
Non, à 2, à 2-0. On est entré, il est à 2-0. Manjean n'a pas... Manjean a fait une passe décisive. Ou une ou deux. Mais Manjean n'a... n'est pas l'homme du match, quand même. Attention à ce ballon. Oui, mais vous avez Cancel, vous avez Romage. Pédurin a fait un bon match. Donc, Mévis. ça s'appelle promenade de santé. J'ai encore ça. Ah, pour moi c'est Cancel. Ah, c'est pour moi c'est Cancel l'homme du match. Ah, pour moi c'est Cancel. Merci monsieur l'arbitre. Fin du massacre. 8-1 pour cette équipe du Sirocco des Abîmes qui aura humilié à l'USBM dans ce match en retard de la 23e journée de la Régionale 1. Merci à chacun de vous d'avoir été les nôtres. On va se voir vendredi pour l'émission Total Régal. Et puis, peut-être dimanche pour le match du Sirocco Jeunesse Évolution. Alors, sur ce, je vous dis merci d'avoir été les nôtres. Donc, merci à Don Dave qui était là pour les images. Et puis, merci à vous, chers internautes de Total Sport Caraïbes. Je vous dis merci. On va se retrouver à très vite sur Total Sport Caraïbes dès vendredi pour l'émission Total Régal. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée. À très vite sur Total Sport Caraïbes.